Hello tout le monde, c'est Ingrid, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de ces cours spéciales été. Alors, comme à chaque fois, on va travailler bien sûr nos abdominaux, hein, c'est un petit peu la base du pilate, mais aujourd'hui, on va se challenger avec aussi des exercices de mobilité. On verra ça à la fin de nos trois exercices. Donc, je vous rappelle également que mon guide pour débutants, pour débuter le pilate, est toujours disponible et téléchargeable gratuitement. Je vous mets évidemment le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer et vous le recevrez sur votre boîte mail. Donc, si vous êtes prêts à faire ces trois petits exercices spécial été avec moi, et bien on se retrouve tout de suite sur votre tapis. Alors on va commencer par un basique mais que j'adore faire, c'est l'exercice du single leg stretch. On va venir s'allonger sur le dos. Hop. Donc je déroule ma colonne, je mets les deux bras de chaque côté de mon buste, les deux jambes en tablette. Hop. Donc je vous rappelle juste tablette, c'est les cuisses perpendiculaires au sol, les tibias parallèles et surtout la position neutre, donc la forme naturelle du bas de votre dos. Je ne viens pas plaquer les lombaires, je ne viens pas non plus tirer dans le bas de mon dos avec une cambrure qui serait trop exagérée. Je la garde juste dans sa forme naturelle et mon appui normalement est très confortable, il est juste sur le sacrum. Donc je suis ici, hop, je respire bien. Et nos single leg stretch, c'est juste une extension de jambe sur l'expiration. Donc j'inspire. J'engage mon centre et sur l'expiration, je tends ma jambe. J'inspire, je reviens en tablette et j'expire, je change de côté. Donc je vous rappelle juste que l'expiration, c'est vraiment comme si vous cherchiez à faire de la buée sur une vitre. Voilà. Et quand vous tendez votre jambe, essayez vraiment de l'allonger, un peu comme si vous cherchiez à piquer au cœur d'une cible. Voilà. Après, au niveau amplitude, c'est vous qui allez pouvoir en fait juger quelle est la bonne amplitude pour vous. Vous pouvez très bien piquer plus vers le ciel, c'est un petit peu plus facile, ou piquer plus vers le sol, c'est un petit peu plus dur. En fait, votre seul objectif, c'est que votre bassin ne bouge pas lors de cette extension de jambe. Ok ? Donc du coup, à vous de bien moduler, pourquoi pas de vous challenger, mais toujours dans le respect de cet objectif principal qui est la stabilité du bas du dos. J'inspire et j'expire, je tends ma jambe. J'inspire, je reviens en tablette, et j'expire, je tends la suivante. Encore. Alors, pour ceux qui voudraient un niveau un petit peu plus costaud, on va faire, je tends une jambe, et quand je ramène, je tends l'autre. Donc vraiment un mouvement continu. Hop. Donc là, du coup, j'inspire sur un mouvement, j'expire sur l'autre. Alors, celui-ci est un petit peu plus costaud pour les abdominaux. Essayez d'avoir de la fluidité. Et si vous sentez que votre dos ne tient pas, que ça tire dans le bas du dos, revenez sur un mouvement un petit peu plus facile, une jambe après l'autre. Ok ? Allez, on continue encore pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène les deux cuisses sur le ventre. Là, je vais pouvoir plaquer le bas de mon dos dans le tapis. Là, on est vraiment sur le relâchement. Je viens rouler un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour justement masser le bas de mon dos, relâcher mes abdominaux. Ah, c'est vraiment un petit moment de relâchement ici. Je respire bien. Parfait. Je vais pouvoir rouler sur le côté, pousser dans mes bras pour remonter. Hop, on va se mettre sur un 4 pattes pour le prochain exercice. Alors, je vous ai dit qu'on allait travailler nos abdominaux et notre mobilité. On va commencer du coup à intégrer un petit peu de mobilité ici. Alors, mon 4 pattes, je me place comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter un pied à l'extérieur de mon tapis et je vais ouvrir ma jambe, ouvrir mon bras et me retrouver dans cette position de gainage. Ok, une fois que c'est tout placé, je viens décoller ma jambe. J'inspire et sur l'expiration, je ramène ma main sur la cuisse. J'inspire, j'allonge, j'expire, je presse. Encore. Inspire, allonge, expire, presse. Encore deux fois. Dernière fois. Parfait. Doucement redépose ta main, pivote ton genou, reviens sur un 4 pattes. Même chose de l'autre côté, donc moi je vais me retrouver de dos, mais c'est la même chose, vous allez pouvoir le mouvement, le même, c'est la même chose. Je viens ouvrir mon pied, ensuite ouvrir mon buste, tendre ma jambe, tendre mon bras. Une fois que j'ai tout placé, je viens décoller ma jambe, j'inspire. Et sur l'expiration, je ramène la main sur la cuisse. Et en fait, plus vous allez venir presser sur votre cuisse, plus vous allez travailler vos abdominaux.
Ok? Inspire, allonge. Expire, ramène. Encore. Une dernière fois. Parfait. Et on va le refaire encore une fois de chaque côté. Je reviens sur mon quatre pattes. J'ouvre mon pied vers l'extérieur. J'ouvre ma jambe. J'ouvre mon bras. Hop, j'inspire et sur l'expire, je presse un petit peu plus fort sur le deuxième tour. Inspire, ouvre. Expire, presse. Encore deux. Encore un. Et reviens sur ton quatre pattes. Pivote ton pied à l'extérieur du tapis. Ouvre ta jambe, ouvre ton bras, décolle ton pied du sol. Inspire ici et sur l'expire, presse sur ta cuisse. Encore trois fois. Appuie fort, 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 fort. Encore deux fois. Une dernière fois. Reviens sur ton quatre pattes. Hop, ramène les fesses sur les talons et tire-toi dans la pose de l'enfant. Parfait. Allez, on va venir s'asseoir et se mettre à l'avant de notre tapis. Alors, on va venir construire un exercice. On va commencer par l'exercice du C curve pour aller ensuite chercher le rolling like a ball. C'est là qu'on va vraiment aller chercher de la mobilité. Alors, le C curve, donc c'est prendre une forme de C avec notre dos. Vous allez mettre vos deux mains ici sous les genoux. Ok, le dos est bien droit. On sent l'appui sur les ischions qui sont les os des fesses. Et on va venir enrouler le coccyx ici pour déposer justement le coccyx au sol et ouvrir son dos. On prend une forme de C, on ouvre bien son dos, on ouvre bien ses coudes, on écarte ses omoplates, parfait. Et on revient sur un dos droit. On le refait sur la respiration, j'expire, j'arrondis mon dos, je prends une forme de C et j'inspire, je me redresse. Allez, une dernière fois. Expire. Et inspire. Ok, un challenge un petit peu plus... focus, on va dire, sur les abdos maintenant. On va faire le même exercice, sauf qu'au lieu de te concentrer sur l'ouverture de ton dos, tu vas te concentrer sur le fait de creuser à l'intérieur, de creuser au niveau du ventre, donc engager ton centre dans cet exercice. Donc c'est la même chose, hein. C'est juste que le focus, l'attention sera sur le centre du corps. Donc ici, je me grandis. Et sur l'expire, bien sûr, je vais venir ouvrir mon dos, mais je vais surtout absorber mon nombril vers l'intérieur pour que ce soit également donc, arrondi derrière, mais bien creusé à l'intérieur. Et je reviens sur l'inspiration. Encore, expire. Et moi, il y a une image qui me parle bien. C'est quand on vient ici creuser le ventre, c'est d'imaginer qu'on a une petite cuillère qui vient justement creuser dans votre ventre, un peu comme quand on creuse dans un pot de glace. Hop, tac, je viens creuser pour que mon nombril rentre, soit attiré vers la colonne vertébrale. Allez, une dernière fois. J'inspire, je allonge mon dos. Et sur l'expire, j'ouvre mon dos, je creuse mon ventre, mon nombril est complètement absorbé. Et j'inspire, je me redresse. Ok. On va maintenant se servir de cette position de départ pour aller chercher le rolling like a ball, qui est un travail de pilates pour venir assouplir en fait la colonne vertébrale avec toujours cet engagement du centre. Donc c'est la même chose, le même point de départ. La petite différence, c'est qu'en plus de ce dos rond, de ce centre très engagé, je vais venir décoller mes deux pieds. Ok. Et une fois que j'ai placé ici, je vais venir rouler sur ma colonne vertébrale. J'inspire, je pars en arrière. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je pars en arrière, mon ventre se creuse. Je roule sur ma colonne et j'expire, je reviens. Alors en fonction de votre morphologie, vous allez rouler plus ou moins. Vous avez vu que moi je ne roule pas énormément. Ça dépend aussi de votre tapis. J'avoue, moi j'ai un tapis de yoga qui est assez fin. C'est moins confortable quand vous avez un tapis un petit peu plus épais. Du coup, on peut plus facilement se laisser aller vers l'arrière. Ok, on le refait une dernière fois. Donc ici, j'ouvre mon dos, je creuse à l'intérieur. J'inspire, je roule. J'expire, je reviens. Un petit conseil pour réussir cet exercice, c'est toujours garder votre regard vers l'avant. Parce que malheureusement, si vous regardez le ciel, vous allez faire ça. Et vous vous retrouvez avec un dos plat. Et là, c'est complètement très très compliqué pour revenir. Donc hop, attention à toujours regarder votre point fixe devant. Comme ça, vous gardez toujours votre dos bien arrondi. Voilà. Et maintenant, notre challenge mobilité. On va servir de cet exercice et je vous rajoute un petit défi à la fin. Je vous le montre et après, je vous explique tout. Ok ? Donc on prend notre rolling like a ball. Je creuse, j'ouvre et je roule.
et je remonte. Et ça, ça va être votre challenge. En fait, ce qui m'importe, c'est pas forcément que vous remontiez exactement comme moi. Ce qui m'importe, c'est que vous trouviez votre propre solution pour remonter. Et il y a plein de solutions possibles. Pour l'avoir proposé à mes élèves récemment, elles m'ont trouvé des solutions que moi-même, j'avais pas pensé, qui d'ailleurs me sont, moi, très compliquées à réaliser. Mais en fait, trouver votre propre solution en fonction de votre morphologie, en fonction de vos forces et de vos faiblesses. En fait, trouver votre solution, ok ? Et pas forcément la même que la mienne. Je vous montre quelques exemples. Quand même pour peut-être vous inspirer un petit peu si vous êtes un peu dubitatif de votre ordinateur. Donc je viens ici rouler. Je peux par exemple croiser les pieds, pousser dans mes mains pour m'aider à remonter. Ça, c'est une solution. Une autre solution, hop, ça peut être de rouler, passer sur le côté et de remonter. Ok ? Alors je vous montre une solution que j'ai vue d'une de mes élèves. Moi, je suis incapable de remonter dans cette position, mais elle y arrive très bien. Donc, comme quoi, vous voyez, en fonction des morphologies, on peut tester plein de choses. Je viens rouler. Et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle venait mettre ses pieds en extérieur, ses genoux en intérieur, et elle remontait comme ça. Moi, ça me bloque complètement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas une bonne solution. La bonne solution, ce sera la vôtre. Et il faut tester. Et il faut pas trop réfléchir, il faut laisser parler votre corps. C'est un peu comme quand on est enfant et qu'on joue par terre et qu'on réfléchit pas. Quand on cherche à se relever, on se relève sans chercher à se dire « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Donc voilà, laissez parler votre corps, faites des petits tests et je vous laisse travailler ça. Et vous allez voir que vous allez aussi reprendre confiance dans votre capacité à bouger. Il faut juste pouvoir adapter vos mouvements à votre corps et à vos capacités. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien bien fort. À très bientôt. Ciao.